J'avais tout, les éloges, les articles, rien ne pouvait m'arrêter. Du moins c'est ce que je croyais. Ce jour-là j'ai tout perdu. Tout ce qui comptait vraiment pour moi, ma femme. Tout. Seul avec moi-même, pauvre et abandonné de tous. Quand une chose comme ça arrive, rien ni personne ne peut prévoir ce qu'il va faire. J'ai décidé de retourner au seul endroit que je connaissais près de la côte, Capbreton. C'est là, dans cette petite station balnéaire, que ma famille et moi passions nos vacances dans le passé. Ah, c'était le bon temps. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Eva. J'ai appris de vous séjourner ici. Oui. J'ai aussi appris ce qui est arrivé à votre pauvre femme et personne ne devrait en arriver à ça. Merci Eva, mais j'ai du travail, il commence à se faire tard. Non mais attendez s'il vous plaît, attendez. Les gens parlent beaucoup, vous savez, ici. Bon, surtout depuis que ça fait la une des journaux, mais ce sont que des rumeurs et moi je vous crois. Mais qui êtes-vous pour me dire ça? Mais Eva, je vous l'ai dit, Eva. Eva. Eva, la maison d'en face. Eva. Ah mais oui, bien sûr. Pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu, mais tu sais avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ça fait combien de temps? Moi, je sais pas, 11 ans et 2 mois. C'est impardonnable ce qu'on vous fait subir. Moi je sais que vous n'y êtes pour rien. Je le sais, tout le monde le sait ici, c'est pas vous qui l'avez poussé à se suicider. Je sais que vous l'aimiez, que vous l'aimez tout simplement, voilà, c'est une tragédie ce qui est arrivé. Ah, vous savez, plus le temps passe, plus on me pose de questions. Mais non, il ne faut pas croire tous ces journaux, ce ne sont que des rumeurs à votre égard. Allez, passez me voir un de ces soirs, on dînera ensemble, ça me fera très plaisir. Si vos parents pouvaient vous voir aujourd'hui et voir ce que vous êtes devenus, qu'est-ce qu'ils seraient fiers, fiers de vous. Allez, bon courage et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eva était une vieille amie de mes parents. C'est elle qui s'occupait de moi quand mes parents partaient en mer de temps en temps. Mes parents, morts il y a de ça une décennie. C'est après leur mort que j'ai été envoyé chez un vieux cousin en fin de vie à Paris. J'avais 13 ans, et depuis ce jour-là, je n'étais jamais revenu ici. En revenant ici, je pensais retrouver les souvenirs partagés avec eux durant mon enfance, mais je n'allais pas mieux. Chaque jour était pire que le précédent. C'est là que j'ai commencé à avoir des crises. La nuit, je dormais plus, sans cesse les mêmes questionnements, les mêmes cauchemars. Pourquoi? J'aurais pu continuer encore longtemps comme cela, mais à quoi bon? Je ne me reconnaissais pas moi-même. Et à présent, si vous pensez que parce que je vous parle, je suis toujours là, en vie. J'ai toujours eu peur de l'eau. Constamment en mouvement, à la fois attirante, calme la veille, et le jour d'après, si dangereuse, si effrayante. Tant de vie elle a emporté dans ses profondeurs. Celle de mes parents, et maintenant, la mienne. C'est là que j'ai compris, lorsque j'étais au fond de l'eau, ma seule volonté était de vivre, de m'accrocher à la vie. Ce n'était pas mon jour. À quoi bon vivre quand plus rien nous retient? J'avais la réponse pour elle, pour sa vie. Son sourire, sa voix, son regard, tout cela n'était pas terminé tant que j'aurais décidé qu'elle vive avec moi dans mon cœur. Si ce soir-là j'étais rentré plus tôt, jamais elle n'aurait perdu la vie. Mais pour elle, je vivrais. Et rappelez-vous d'une chose, un coucher de soleil n'attend personne.